Bonjour, bonsoir à tous, c'est Réal Pinte-Grenier. Aujourd'hui, j'ai une shitload de trucs à tourner. J'ai tellement de trucs à vous montrer que j'ai dû ramener carrément le râtelier roulant avec, je sais pas, la vingtaine de trucs que j'ai à tester là tout de suite maintenant. Donc j'ai intérêt à me manier. Alors aujourd'hui, on va commencer en douceur, avec une arme printanière et délicieuse et toute mimi. Ça dépend de ce que vous appelez printanière et délicieuse et toute mimi, hein. Une carabine M4 Colt 22LR. Ouais, je sais, ok, d'accord. Mais comme on en a déjà vu d'autres, je me dis que ça peut être vachement intéressant de voir ça. Donc en fait, c'est une vraie Colt sous licence, mais qui a été importée par MRX. Pourquoi ça s'ouvre pas, cette dôme, là ? On va tirer de la Remington Golden Bullet, histoire de rester en fait sur la même chose que le Luvo et que d'autres trucs beaucoup plus mauvais que j'avais fait. Donc c'est un chargeur absolument colossal. Je sais pas ce que c'est comme chargeur, mais ça doit être un chargeur de 50 là, minimum. Bon bref, écoute, je sais pas, je vais en mettre ce que j'ai. Puis on verra bien. Ouais, plein de choses à vous montrer là dans les futurs trèfles. Vous vouliez du revolver ? Eh ben vous allez être servi, mes cocottes. Vous allez être servi. Bon allez, on va en mettre encore un petit peu plus parce que ce serait quand même con d'avoir un chargeur aussi débilement énorme si c'est pour ne rien mettre dedans, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? J'annonce, si les munitions lui conviennent pas, je vais péter un câble. Ça vous est déjà arrivé, ça, hein ? Forcément. Vous chargez tout plein de munitions et vous vous rendez compte que ça va pas du tout dans ce flingue-là. Bon bref, allez, on va tester ça. Let's go. Donc pour ce qui est de l'arme, c'est littéralement un M4, même cross, même charging handle, sauf qu'il a un cache poussière. Sauf qu'il a une culasse légèrement plus courte, mais qu'ils ont admirablement bien caché grâce à la tranche arrière du canon. Garniture classique. Toute classique, quoi, sauf le calibre. Allez, on va tester ça. C'est quand même débilement. Putain. Il n'y a pas cette espèce de sabre. Ah, ça file n'importe comment. What the fuck? Ça feed un peu n'importe comment, pardon, hein, mais... Oh, nique ta mère, elle est feed. Putain. Feed, espèce de saloperie. Je suppose que c'est un assist... Et merde. Alors, essayons d'en mettre une à la main déjà, ne serait-ce que pour voir si ça fonctionne. Mais alors, tout est extrêmement dégueulasse dans ce flingue. Hein. On va essayer, hein. Non. J'annonce, si les munitions lui conviennent pas, je vais péter un câble. Vous chargez tout plein de lune, et vous vous rendez compte que, ça va pas du tout dans ce flingue. Ça va pas du tout dans... Mais chier! Allez, nique ta mère, feed, s'il te plaît, feed. J'ai pas le temps, j'ai plein de choses à faire. Colt, bordel de merde, j'ai pas le temps, là. Allez, arrête de jouer à des jeux, s'il te plaît. Oh, nique-toi. Allez, rentre. Nique-toi. Je vous jure, même si ça s'arrête là, je vous le sors, l'épisode. C'est mort, j'ai pas tout sorti pour Peanuts, là. Excuse-moi, Colt, mais là, tout de suite, je te hais. Ah, celle-là, elle rentre. À la perfection. Allez, vas-y, Colt. Vas-y, c'est ton moment. Putain. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pas filé.
Qu'est-ce qu'on disait déjà? La qualité Colt, bon, celle-là, elle est rentrée. Allez, allez, vas-y, fais-moi plaisir, deux d'un coup. Je sais même pas où je tire. Si, j'ai l'impression que je suis dedans. Hein. Oh, fais chier, allez. Ah. Mais pourquoi il n'y a pas de forward assist, bordel? Mais c'est une blague! C'est un semi-auto manuel, bordel! Avec une des queues détentes les plus dégueulasses que je connaisse. Ce qui fait subir aux cartouches, ce truc. Nique ma mère! Non. J'en ai marre que tout ce que je dis de mauvais sur les armes soit prémonitoire, bordel de bite. Oh, deux d'un coup! Deux d'un coup! Nouveau record! Allez, vas-y! Allez, vas-y, bébé! Ah, putain! Bon, déjà, on saura, le chargeur aime pas être trop rempli, hein. Allez! Oh, putain, mais je vais pas... Je vais quand même pas mettre ma première note en dessous de 5! Ah, ouh! Attends, ça s'est passé! C'est pas passé! Oh, chier! Allez, allez, vas-y, petit! Vas-y, petit, pour la France! Putain! Nique-toi! Ah, attends, là c'est passé. Allez, vas-y, plus de deux, plus de deux, plus de deux. La queue détente est dégueulasse. Ça, ça sent... La chambre ultra, ultra serrée, qui est pas faite pour quoi que ce soit, à part rien du tout. J'ai mal aux mains! Allez! Oui! J'en ai plus! Bon, il y a très clairement un problème de rampe d'alimentation crade, de tout ce que vous voulez bien crade, etc., etc. Enfin, qu'il n'y ait pas de forward assist, que la chambre soit si serrée, soit si machin, soit si truc, putain, ça c'est un scandale. Bon bref, allez, j'ai passé beaucoup de temps sur une daube. A plus, merci beaucoup, ciao. Ça me pète bien les noix, ça.